Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simulator 2020. Nous sommes aujourd'hui sur Castres Mazamé avec la BB 66400. On va regarder un peu déjà notre locomotive. Donc voici le quai de chargement. Alors la 66400 donc de Johan, hein, si je dis pas de bêtises. On l'a en plusieurs versions, on a la version entre guillemets de base, j'en ai posé plusieurs sur le parcours, donc vous verrez les différentes livrées. Là on est avec la livrée fret, voici nos wagons d'ailleurs aussi, on ira les voir peut-être un peu plus tard. Voilà donc la locomotive est en livrée fret. Je tourne également avec RWE Pro, donc Railworks Enhancer Pro. Que c'est pas la première vidéo que je fais avec, hein, vous en avez déjà eu sur la chaîne, mais j'en profite vu que c'est ma première vidéo commentée depuis quelques temps maintenant, j'en profite pour le repréciser. Voilà un peu le modèle, on va aller un peu plus loin. Voilà, c'est voilà une autre livrée qu'on a, donc je me trompe peut-être, mais il me semble que c'est la livrée originale. Alors simplement, elle a été modernisée avec le nouveau logo, mais voilà, dites-moi si je me trompe, il me semble que cette livrée-là est la livrée originale. On a aussi une ou deux livrées en infra. Je crois que c'est deux livrées infra, mais je suis plus très sûr. De toute façon, le lien sera en description et vous pourrez aller retrouver toutes les infos sur cette locomotive. Bon, ici on a un autre convoi, mais je crois oui, c'est une 72 040 en tête. Bon, j'ai essayé de peupler un peu ces voies, sinon ça faisait un peu vide. Alors, la gare, donc la ligne est fidèle. C'est, j'ai oublié de le préciser, mais c'est une ligne de Zawal. Donc Zawal, on connaît notamment pour Marseille-Martigues, entre autres. Il a aussi travaillé sur Toulon-Martigues. Saint-Jean-du-Gard aussi, qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on fera un jour. Et donc aujourd'hui, nous faisons Castres-Mazamet. Ah bah juste là, justement, voilà, ça c'en est une de l'infra. Et je crois qu'on a une deuxième livrée d'infra. Donc là, une loque de l'infra avec des wagons de ballast. La ligne est donc très fidèle à la réalité. On a aussi les gares très bien détaillées. On a même une partie de la ville. Justement, on va aller voir la partie voyageurs tout de suite. Je prends un peu de hauteur, comme ça on voit un petit peu les environs. Et on a donc juste là la partie voyageurs avec les quais, où normalement j'ai mis un AGC. On voit ici AGC neutre, et puis bah, vous verrez bien en gare de Mazamet, j'ai aussi, on verra ça tout à l'heure, mais j'ai aussi placé un petit peu de matériel. Voilà, on a ce que je disais, on a une partie de la ville, on a. Voici la gare de Castres. Donc vraiment très sympa. La ligne est relativement fluide chez moi, alors un peu moins dans les gares, en plus là avec tout le matériel que j'ai posé, on est peut-être un peu bas, mais après, moi je tourne, sachant que là j'enregistre à peu près à 38-40 fps, donc tout à fait correct. Alors nous avons un poste d'aiguillage, enfin le poste d'aiguillage qui existe réellement, et ce poste-là est en quelque sorte fonctionnel. Alors je pense que ça va être compliqué à montrer. Du moins je pourrais pas vous le montrer avec notre train à nous, mais en fait on a le, alors au début je savais pas trop, mais je me suis un peu renseigné. Donc là on a Régis, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Et on a en fait le tableau de contrôle optique qui est fonctionnel. Au début je me demandais si c'était les leviers, et apparemment tout simplement le panneau de contrôle optique ici fonctionne. Donc normalement au fur et à mesure que on a le collègue de Régis, vous voyez Gérard qui est juste à côté de nous, et on a normalement les diodes qui sont censés s'allumer au fur et à mesure que le train avance. Donc à mon avis ça va être compliqué à montrer. Nous on est par là, de ce côté là, là où il y a marqué Castres, et on voit donc tout le faisceau marchandises triage de Castres, la partie voyageurs au-dessus avec les voies principales, et juste là-bas donc les voies vers Mazamet. Petite précision, donc voilà, je sais pas si je pourrais vous montrer ça
pendant la vidéo, mais normalement, les diodes sont censées s'allumer. Enfin, on peut voir tout simplement, on peut surveiller la progression des trains. La ligne est équipée pour cette section-là en bloc manuel. Je vais y arriver. Alors, en signaux lumineux, mais commandé, donc on est en bloc manuel. Apparemment, c'est une ligne qui est plus ou moins déclassée, sauf pour l'activité TER entre Castres et Mazamet. Sinon, c'est la ligne qui va de Castres à Bédarieux. Et donc, Bédarieux, après, on rejoint notamment Béziers. Mais apparemment, là, a priori, là encore, si vous avez plus de détails dans les commentaires, n'hésitez pas à vous manifester. Mais a priori, la section entre Mazamet et Bédarieux serait déclassée. C'est la portion entre Castres et Mazamet, entre guillemets spécialisé fret, dans le sens où on a bah, trois dépôts, hein. On a donc Castres, Mazamet, et puis entre les deux on a la Bruguière. Alors j'espère que je prononce bien, voilà, j'espère que j'ai pas fait d'erreur à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Donc du coup on va faire du fret pour une fois, pour changer un peu. Même si c'est pas la première fois qu'on en fait, mais voilà, on va faire du fret. Au départ, je crois qu'on peut aussi rejoindre Toulouse, au-delà de Mazamet. Il me semble qu'on peut reprendre la ligne de Figeac à Toulouse, mais de toute façon, c'est pas modélisé sur cette ligne, puisqu'on n'a que la zone de Castres-Mazamet, mais en revanche, elle est vraiment très bien détaillée et ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir ça dans quelques instants. Je vous ai donc présenté un petit peu la gare, les installations, la loco. Voici un peu les wagons, donc wagons de gravier. Comme vous voyez, ils sont chargés. De mémoire, je n'ai pas regardé le cartouche, mais on est limité à 100 km/h, il me semble, avec ces wagons. Mais de toute façon, c'est pas très important puisque les limites de vitesse ici, je crois que la plus élevée c'est 60. Après, je sais pas si c'est applicable au train MA100, donc bon, c'est pas un gros problème. On va passer à présent en cabine et mettre en service notre engin. On va peut-être juste avant, je crois que je vous ai pas montré pas au-dessus. Voilà un peu, encore une fois, à quoi ressemble la loc. Et encore une fois, les liens pour la ligne et pour la loc seront bien sûr dans la description. Donc c'est parti, je vais enlever, le jeu était en pause normalement. Oui, voilà. Donc nous voici en cabine du 66 400. Je vais mettre un peu de lumière, sinon on va rien voir. Donc la cabine est relativement simple. On a comme d'habitude sur la gauche toute la partie frein. Ici, si on zoome un peu, on voit qu'on a juste en dessous, donc on a a priori, je dirais, le dispositif d'arrêt automatique des trains, là, le carré, il me semble que c'est ça. Et juste en dessous, nous avons la lampe pour la répétition des signaux. Donc cette machine apparemment n'a pas été équipée du KVB, du moins dans cette reproduction-là, qui se veut une reproduction moderne. On peut le voir avec la radio à droite, analogique numérique. Il n'y a pas le KVB, donc a priori il n'y avait pas le KVB comme sur la 68 000. Mais par contre on a la répétition sonore, la répétition des signaux tout simplement. Ensuite, en face de nous, nous avons le contour, ensuite l'indicateur de vitesse. Sur la droite, donc la radio, donc bimode, hein, analogique, radio sol train, transmission de données, et numérique GSM rail. C'est la même qu'on trouve dans l'AGC par exemple, hein. C'est les mêmes scripts, on peut d'ailleurs l'allumer. Et nous avons une 68 500 qui est en train d'approcher et qui va tout simplement traverser. Donc on va, je vais peut-être me mettre en vue extérieure, ce sera peut-être plus sympa. Alors pour info, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé du tout, mais c'est une ligne à voie unique, hein, entre Castres et Mazamet. Donc voilà, le train qui est en provenance de Mazamet, qui occupait bien sûr le canton. Je vais me mettre en vue extérieure. Essayez de vous filmer ça. Oups. Bon, désolé, le placement de caméra était un peu tardif. Thank you.
Allez, on va continuer notre présentation de pupitre et notre mise en service. De toute façon, on a à peu près tout présenté, hein. C'est un pupitre relativement dépouillé. Sur la gauche, on a la commande frein direct, frein de train, manipulateur de traction, juste en dessous la boîte à levier, bien sûr, et c'est à peu près tout. Évidemment, comme c'est une locomotive à une seule cabine, on retrouve la même chose de l'autre côté. Donc, en fait, si on veut tout simplement mettre en service... alors faut que je fasse ça et que je me tourne, voilà, on retrouve exactement le même pupitre ici. Donc du coup, bah après il nous suffit de déverrouiller la boîte à levier du bon côté pour changer de cabine. Donc nous allons tout d'abord actionner la batterie. Voilà, on entend le tacro s'allumer. On va déverrouiller la boîte à levier. Le levier est déverrouillé, on va lancer le diesel. Voilà, on voit la déviation du contour, on entend bien sûr le moteur se lancer. On va allumer le compresseur. Et je vais surtout fermer... non, ça c'est l'éclairage des instruments. Je vais fermer le relais de traction. Je vais couper l'éclairage des instruments pour l'instant. J'ai trop l'habitude de la 26000 à vouloir fermer le relais avec... avoir fermé les disjoncteurs avec U. Donc on ferme le relais QT. On appuie 2 secondes. Voilà, là on est bon. Et maintenant il va falloir attendre un petit peu parce que pour l'instant on n'a pas assez d'air. Je vais éteindre l'indication. Voilà. Et il va falloir que ça gonfle puisque pour l'instant on ne peut pas desserrer les freins. Vous voyez, au niveau des manomètres, on a juste le cylindre des freins en bas à gauche qui est un petit peu caché. Et puis après, je sais jamais, je pense que c'est la... Il n'y aurait pas de conduite générale sur cette... Ah si, parce que, ouais, ok, la conduite générale est en haut, et ouais, parce que j'ai pas éclairé les instruments, c'est pour ça. La conduite générale est donc le gros manomètre en haut, en bas à gauche le cylindre des freins, et... En bas à droite, conduite principale, réservoir égalisateur. Bon, pour le moment, je peux pas desserrer. On va mettre en service la radio sur le train. Enfin, la radio, oui, normalement, on est en mode radio sur le train. Voilà, elle est allumée. Et normalement, on est en mode analogique, ouais, RST, voilà, c'est bon. Voilà, notre mise en service est... à peu près terminé, enfin du moins la première partie de la mise en service est terminée. Maintenant on va attendre que les freins gonflent, enfin, que la conduite gonfle entre guillemets, et ensuite on va poursuivre avec l'essai de la veille automatique. Ah, je peux réalimenter, parfait. Alors, je vais juste garder un œil et je vais serrer au frein direct après. Donc on réalimente à 5 bars et on va serrer ça. La machine est immobilisée au frein direct. Nous passons maintenant à l'essai de la veille automatique. Alors ouais, juste avant peut-être de poursuivre. Donc on a la boîte à levier ici, on a la commande du compresseur donc, qui est gênée sur auto. Ensuite de mémoire on a aussi la commande pour le chauffage train. Parce que les 66400, c'est comme les 67400 et compagnie, on peut alimenter des voitures de voyageurs. Alors évidemment, sur un train de fret, nous, ça va pas nous servir. On a la commande d'accélération. Je m'en servirai peut-être tout à l'heure. Pour l'instant, ça ne me sert pas. Et après, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Je crois qu'on peut manipuler quand même pas mal. Il y a pas mal de fonctions qui sont disponibles. Oui, bah après en dessous, c'est essentiellement l'éclairage. Alors, ouais, c'est ça, entre autres. Bien sûr, l'essai de la veille automatique, l'annulation de la veille automatique et compagnie. Et donc en haut, on a complètement à gauche le relais de traction, le compresseur. On peut mettre en auto ou en manuel, et puis après après le chauffage train, et je crois qu'après c'est pas accessible. Bon, de toute façon tout est décrit
dans le manuel. Nous poursuivons donc notre mise en service. On va faire l'essai de veille automatique. Je remets la caméra droit. Donc on a la vidange de la conduite générale et normalement on a l'ouverture du rail de traction, mais je crois que sur cette machine on n'a pas de témoin. Donc on réalimente. Et donc maintenant, on maintient l'appui pendant plus de 55 secondes pour tester le contrôle d'appui tout simplement. Alors après, je conduirai sans, je la désactiverai, sinon ça va être trop compliqué à gérer. Puisque c'est la barre d'espace qui fait office de cerclos, donc c'est un peu compliqué à gérer en vrai. Donc on a la sonnerie. L'essai de la veille automatique est terminé et on met en place le commutateur SVA sur arrêt. Donc les freins, en vrai j'ai déjà desserré. Bon, les freins fonctionnent, le frein direct on l'a testé. La conduite générale, enfin le frein de train pardon, ça fonctionne. Et nous allons simplement partir. Donc on met l'inverseur sur avant et je vais peut-être couper l'éclairage. Par contre on va desserrer le frein direct. Ah, c'était pas dans ce sens là, c'est pas grave. Si c'était bon en fait. Ok, le frein est desserré et nous pouvons partir. Donc normalement on est limité à 30 km/h pour la sortie de Castres. Alors je vais peut-être faire ça et je sais pas si j'allume les instruments ou pas. On va peut-être faire comme ça. On a procédé à l'essai en marche de la veille automatique que je vais maintenant désactiver pour que ce soit plus simple. Nous avons le feu blanc qui nous indique d'évoluer en marche en manœuvre sans dépasser 30 km/h et normalement ça donne aussi l'accès aux voies principales, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons un TIV40 avec la pancarte Z qui marque l'exécution, le début de l'exécution de la zone. Thank you.
Alors on ne l'a pas vu à cause de la vue extérieure, mais il y avait une pancarte S normalement pour protéger le passage à niveau. Et il y en a pas mal hein, sur cette ligne. Accélère un peu. Donc on a la pancarte R, donc je crois qu'au dégagement de cette pancarte, on reprend la vitesse de la ligne, je crois que c'est 60. Je vais vérifier ça, mais normalement c'est 60 ici. Du passage à niveau.
peu plus loin. Nous avons un disque en position effacée. Donc en fait, lui, il fait pas le bloc, ça met simplement l'état du signal suivant. Donc lui là, j'ai pas bien fait attention, mais il me semble que son signal le plus restrictif, c'est l'avertissement. Il pourrait présenter l'avertissement. Et là, il est feu vert indique que le disque est tout simplement effacé. En signaux mécaniques, il verrait pas. Enfin, tout simplement. Proche du signal, donc l'exécution du 40, la pancarte Z, et vous avez vu les pancartes avec les mirlitons, nous approchons d'un signal à visibilité réduite à cause de la courbe qui normalement doit être aveuglé, si tout va bien. Et voici donc le signal. Ah bon. À peu près à un parcours. Et voici la pancarte R qui nous autorise à reprendre la vitesse précédente, la vitesse de la ligne, donc de 60 km.
un TIV50, donc bah, normalement je vais rester comme ça, ma vitesse est bonne. Je vais tout simplement laisser le train marcher sur l'air. Voici l'exécution du 50 avec la carte Z. Comme tout à l'heure, nous allons franchir un disque en position effacée. Donc le prochain signal de contrôlement est libre. Carte R, donc on va reprendre 1,60 et nous approchons de Mazan.
présente le ralentissement trans. Donc voilà, c'est exactement comme en signalisation bloc automatique mineur. Donc simplement le ralentissement est disposé sur le disque. Et ensuite on va avoir le rappel. Et voici donc le rappel trans pour le franchissement de l'église. Nous arrivons en gare de Mazamet. On aperçoit un peu plus loin un AGC en livrée Languedoc-Roussillon. J'en profite, puisque c'est bientôt la fin de cette vidéo, pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.